Bonjour amis téléspectateurs, nous comptons ensemble avec vous matin dans le cadre d'émission mise au point rendez-vous chaque matin cela pour que nous capables d'aborder les questions de l'actualité. Et bien aujourd'hui nous prenons parler sur le carnaval puisque nous avons un moment bilan carnaval national qui se déroule 11, 12 à 13 février en baptême Haïti sur route changement. Et dans ce sens, matin là nous sommes ensemble avec un membre comité carnaval là, Siavel. Nous allons regarder comment l'activité ça l'été déroulé, qui bilan, qui perspective. Fred Lizer qui est ensemble avec nous, nous dit bonjour, merci de répondre à l'invitation. Bonjour Ruby, bonjour aux amis téléspectateurs, nous comptons sur la télévision nationale d'Haïti. Fred Lizer aussi, vous êtes dans le comité comme responsable animation musicale, travail ou a été consisté à qui ça? Alors, je ne suis pas dans le comité, je suis toujours dans le comité jusqu'à présent, parce que le comité a toujours là, il est beaucoup. Même pour le comité permanent, ça c'est non, il n'est pas comité permanent, mais pratiquement, et c'est après bilan, ou du moins, parce que le comité a un mandat, une durée de temps. Donc, et nous sommes dans le comité, le job, moi, c'est responsable animation musicale. Animation musicale, là, c'est vous-même qui fait liaison entre groupes musicaux et travail sur et line-up là, et défilé. Et essayer de discuter avec Ben Yo sur le problème qu'il a confronté, organiser une réunion avec Yo et que mener Yo devant qui de droit pour être capable de discuter des affaires, l'argent, Yo, etc. Et puis si Yo a une difficulté, Yo connaît que Yo a un monde qui peut faire le pont. Bon, au fait, ça, c'est travail initialement que Yo a ben moins comme responsabilité et de base. Mais on dit travail initial, ça t'a dit pas ça seulement t'es fait non, comme mais, expérience. Non, mais pratiquement ça m'a fait là, c'est pas notre travail initial. Ils m'ont demandé de me faire. Ils m'ont demandé de me faire parce que moi j'étais dans un sous-comité communication et parce que responsable communication voulait me équiper. Et moi, bah, écoute, maintenant logistique là, côté de par expérience, ils m'ont demandé de écoute maintenant logistique. Par exemple, si vous avez les chars sur le champ de masse, ou bien n'importe qui côté carnaval, la fête, ce n'est pas job. Mais c'est un tout. C'est toute une équipe qui travaille ensemble. Donc, tu as dit, j'en ai dit, échec là, la collectif. Et puis, le ça a le gagné, succès à collectif. Tout. Donc, c'est échec. Et il n'a pas d'argent. Qui jamais fait travail à terre? Et serein, parfois, qu'on gagne un petit montée, descente, petit désaccord, mais au fait, c'est une belle expérience avec deux mondes qui ont l'expérience, deux mondes qui sont très respectables dans la société. Hein. Donc, moi, j'ai eu une chance de travailler avec deux mondes pour la première fois. Et je me suis dit deux mondes de bon commerce. Et c'est une belle expérience. Donc, comité a les formé à partir de nous capables de différents mondes qui soient dans des secteurs bien déterminés, mais qui profil normalement y ont monde à doit gagner pour faire partie du comité carnaval. Y ont professionnel oui, y ont professionnel, y ont monde qui est respectable qui respecte tête li, ça seulement. Par exemple, y a des monde qui des amis qui dit faut qu'on opérateur culturel pour travailler dans le comité carnaval. Mais c'est pour connaître que le comité carnaval, ce n'est pas uniquement l'aspect culturel là, que le gain la donne. Il y a marketing, il y a communication, ou même, ou pas, ou opérateur culturel. Mais moi-même, moi, comme un bon communicateur, donc ça veut dire que ou qu'a écrit, ou qu'a produit document, ou capable de gérer aspect communication et aspect communication, il y a plusieurs parties là-dedans, il y a visuel là, il y a et on dit audiovisuel là, il y a et par culture, communication publique et faire interview etc, préparer et de messages vous voyez là-dedans, donc c'est un bagage qui gagne en plus l'aspect là-dedans. Donc, le monde qui est dans la communication, pas obligé dans la culture. Donc, un monde qui prend le responsable d'animation musicale, c'est que c'est un monde qui suppose qu'il y a de très bons rapports avec jazz, qui a de très bons rapports avec groupe, qui a une expérience dans la musique, qui connaît meringue, qui connaît carnaval. Mais dans l'aspect logistique, là, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a une logistique qui est logistique
artistik, logistik artistik la, fok ou kon fel, sou pa kon fel, e wap e chou e la dan. Par exemple, logistik artistik la, se li menm ki pral akompanye tout band degize yo. Lor gen anviyon 3000 jen garson e jen fi ki pral fok yo degize, fok yo rive a tan, fok ou gen way ren pou menen rive, fok yo gen radzou yo, fok yo abye, fok makiyeur, makiyeuz, e, pran soin yo, fok yo manje, fok ou jwen glo pou ba yo, e mdaka di boason, e, peut-être l'heure où on jeune fille qui vient soit elle va te manger la caille l'heure rive dans espace côté où on fait ça c'est le ça lui même pour le fait c'est intéressant et puis parce que c'est pas professionnel que c'est de monde qu'on va intégrer au fur et à mesure qui va rentrer dans le système là et puis monde ça il pas manger et puis pendant la marché sous chaleur et pour monde ça il a tendance à indisposer. Donc, il faut que les gens qui ont la logistique artistique capable d'accompagner les gens, connaissent si les gens sont sûrs pour Bali. Il faut qu'on force le manger, il faut qu'ils retiennent en ligne de discipline, il faut qu'on mette les gens en dedans code là, il faut qu'on protège pour les gens qui viennent au carnaval ou bien passant, pas manger ou pas agresser. C'est son travail colossal. Li. Est-ce que dans ce sens, nous n'avons pas gagné des cellules médicales et psychologiques pour être capable d'accompagner les gens? Bon, par contre pour psychologique, mais pour cellule médicale, oui. Parce que il y a protection civile, il y a au FATMA, il y a des gens qui ont un poste médical avancé. C'est toute une équipe qui. C'est son machine qui est énorme. Son machine qui est énorme, qu'on a mis en branle sur un mois. Et c'est imaginer qu'on va construire, on a dit, citadelle. Christophe là, sous un an. Donc, un mois avec des mouns qui paguent des habitudes de travail ensemble. Bon, pratiquement, c'est ou besoin bon manager. Ouais, ou besoin bon manager. Si moun qui est responsable, yo, chaque moun qui a géré et groupe là, parce que chaque groupe a travaillé pour compte, yo gen des cellules de travail, mais moun qui non comité c'est ouais mais il y a des milliers de monde qui travaillent pour rendre ça possible constructeur chariot constructeur stand yo monde qui et préparer séquence qui pral bay show dans le défilé artistique là et par exemple tant qu'on gagne un parti fait dans bureau national ethnologie et Wol Josué soit arrêté comme membre du comité. Mais c'est vrai, lui-même, il a droit à influencer ça qu'il a fait à partir de. Et c'est lui-même qui vient avec l'idée pour dire bon, on a mis les tambours d'Haïti à l'évidence, en évidence. Mais pendant qu'on a mis les tambours d'Haïti en évidence, l'acteur qui a joué tambour, ce n'est pas le maestro en soi. Donc, le maestro qui a géré ça, le chef d'orchestre. Et bien, c'est même gens pour le groupe. Yo. On est qui dans le marketing, c'est pour aller au sponsor, pour qu'on qui maison de la place, qui est ce qu'il y a, comment pour traiter avec elle, comment pour discuter ensemble avec elle. Soit aller voir M. Boulos, ou bien aller voir M. Reynold Dib, ou bien aller voir M. Dimitri Vob. Et chaque bon discours pour bayo, bon gens pour amadouer, pour joindre son besoin dans elle. Parce que le sponsor a lui-même la fois des exigences, parce que le sponsor a réalisé que la plus grande partie de la dépense, c'est lui qui a fait. L'État en face lui-même, lui connaît carnaval là, quel que soit comme sponsor bail, c'est lui qui a fait carnaval là parce que l'argent que sponsor bail là sont avance li bail l'État parce que après le bail déductible d'impôt, le lui-même il va faire déclaration définitive d'impôt. Donc c'est pratiquement un bagage connexe. Donc son gros machine le ça ou pas besoin gagner pas connait faut qu'un opérateur culturel pour faire. Et gain aspect sécurité à tout. Faut qu'on gagne un monde qui peut faire interface avec la police qui vous dit la police bon mais qui ça me veut parce que la police a toujours demandé pour carnaval là tu fini à minuit parce que le policier dans la rue sorti depuis 11h du matin. 11h du matin il prend la rue c'est yo pour aller mettre barricade dans chaque côté gagne sorti dans chaque carrefour qui gagne rentrer sorti. Monde qui vient dans carnaval là, monde qui vient pour ouais c'est spectacle là le vin ouais mais pas ouais
behind the scene. Li pa konen sa ka pase an dan, nan kuisine nan. E le pou chwazi group ou ta ka genyen 300. Nou va arrive sou kesyon chwa group tout alè. Na pote nan aspe spektak kanaval la an li menm. Sin de kapab nou kapab di depataje kon sa. Et aspect défilé artistique là en lui-même qui est capable de gagner les troupes, les séquences que nous capable rentrer peut-être à allégro que la donnée nous capable prendre deuxième aspect bon à pied troisième aspect qui nous capable discuter sur gâteau c'est aspect animation musicale à travers de groupes. On allait dans question défilé artistique là ou même qui sortirait comme nouveauté dans défilé artistique année ça. Bon défilé artistique là et l'idée mieux organisée sur deux derniers jours. Le premier jour, c'était une catastrophe parce que le premier jour, nous n'avons pas de Paris. Nous n'avons pas de Paris pour qui raison? Nous n'avons pas de raison. Nous avons environ une vingtaine de chars, on a parlé de boîtes à musique. Chaque construit son trailer de 40 à 45 pieds. Li fait 16 pieds de large et il y a des groupes qui ont augmenté qui fait 20 pieds de large. Je vais parler de chaque qui a un groupe musical. Chaque boîte à musique. Qui a un pile d'équipement. Je voulais montrer grosseur, hauteur et largeur chaque salle. Devant les grandes têtes camion qui fait environ 20 pieds. Elle dit, lundi 20 pieds, un conteneur, coutio, c'est 20 pieds. Ou gagne une génératrice qui sont très lèvres, fait 16 pieds. C'est ajouter tout ça ensemble et puis décider ou dit, ou pral mettre dans la course Stade Silvio 14. C'est seul espace que l'État gagne pour que l'y fait mise en branle défilé. C'est parce que Fok Diaz ou Alibou fait soundcheck, pour faire son. Fok logistique Diaz ou pour tes boissons, drapeaux, maillots et permettre que fanatiques ou invités ou monter sous char. Donc c'est dans l'espace ça, c'est là où on va évoluer tout pour gagner tout groupe déguisé ça qui va venir. Qu'on y a ou gen une quantité de chars allégoriques. Chars allégoriques, c'est beauté, c'est princesse, c'est pan, qu'on pas qu'à manger, qu'on pas qu'à toucher, qu'on oblige à protéger. Tout le monde a même fait une photo sur eux. Tout le monde. Les mandés ont un travail extraordinaire. Qu'on y a, le pour mettre tout le groupe ça ensemble, et puis pour dire, on en allé, on en a l'esprit par le ce carnaval là, c'est l'autre semaine. Les parcs. Il n'y a pas de quoi le bras défiler dans le jour. Jusqu'à ce que vous fassiez ou mettez en dans la ligne pour dire on prend béton. C'est le qui prend béton, c'est le ça, qui commence à dire ah, après le carnaval vrai. Et puis le marché, et puis qu'on a toute grande rue, on va essayer d'organiser au mieux, on va essayer de mettre rentrer dans le canevas. Il faut que nous rendions hommage à Yves Penel, à Maël David, à Ewol Josué. Qui était supporté par l'équipe et de la mairie de Port-au-Prince, qui était David Charlier, qui était Madame Louis, qui était Manou, Madame Yannick Louis, qui travaille pour que nous ayons un défilé artistique, que nous ayons de photos, probablement qu'il y a plein de monde. Bah ouais, mais c'est la société de carnaval, là, y a pour eux, c'est des bagages extraordinaires, des bagages superbes. Et le Bureau national d'ethnologie fait un travail extraordinaire. Lorsque vous faites des défilés artistiques, là, on a des bandes à pied. Bandes à pied, il y a des musiques là-dedans. C'est de jazz, alors, de bandes à pied, de bandes à pied que nous relayons, jazz. Il y a un aspect que nous avons remarqué dans la question de bandes à pied. Il y a deux bandes à pied, même ils marchent avec un système de sonorisation. Oui, tu as Belle Bébette, c'est lui-même en premier qui est venu avec Stilza, qui a un keyboard, qui a un bail. Mais... Alors, ça me dit dire, dans ce sens-là, le défilé artistique là, il était meilleur. Pour quelle raison? Parce que, et certes, ils ont préparé 5 séquences et 15 séquences. 15 séquences, ça, c'est l'été venu par un show.
et choix artistique là et tu gagnes en pile déguisement en pile couleur tu gagnes nous avancer que nous faisons ça mais il y a un aspect particulier qui te gagne c'est que yo utiliser la maillotte là qui c'est et on passerelle qui permet que bande ça yo qui a défilé à groupe ça qui a défilé à yo monter en côté pour que yo pas noyé dans foule là et que yo ba possibilité pour que yo wè yo parce que c'est un problème que tu remarqué particulièrement premier et deuxième jour là côté que le acteur yo a défilé pour faire séquence là n'a pas sous pas au carnaval là donc pas parce qu'elle qui fait au niveau de et oui c'est honoré non et pas lui même n'a pas les avenues de la République donc oui qu'à quoi tout ça gagné un problème de foule là qui fond avec acteur yo. Mais son problème d'éducation, son problème d'éducation. Je dis, nous qui critiquons le carnaval là de ça, nous voulons, mais le carnaval là dans la société. Et la société a un play. Et il faut que nous traitions. Il faut que nous allions à la base. Par exemple, quelqu'un doit faire un live là, et puis on parle de bagage sérieux, et puis on a l'autre individu qui monte en bas de la live là, et puis il critique. probablement on doit parler et puis on a qui décidé cap critiquer ou bien cap accuser de toute bagarre parce que son société que y apprend nous ou bien depuis peut-être 30 dernières années nous aller nos dérives qui viennent mettre nous dans situation pour nous autodétruire tête nous autodétruire tête nous pas aimer tête nous pas aimer ça qu'a fait qui bon faut que nous vienne là pour nous craser il faut que nous gâter donc quoi réaliser pendant carnaval la fête là ou après de monde qui pas gagne rien pour lui avec bande qui défile mais c'est là il senti la l'aise ou le marché il saute la caille même pour là faire ça qu'on y a ou t'a qu'a dit et dans l'état ou t'a qu'a utiliser moyen fort mais sous utiliser moyen fort et les conséquences. Parce qu'on vient de dans une situation côté toute la journée, on va essayer de pallier à des situations. Il y a des gens qui sont dans un pays étranger, qui ont fait 15 ans, 20 ans dans un pays étranger, même créole n'est pas trop bon, tellement il y a longtemps dans un pays étranger, mais lorsqu'il rentre ici, il tout profite, il dit ah, mon bébé, qu'est-ce que je vais me faire là, et puis il n'est pas même caché tête, c'est comme si depuis le rive à Haïti, tout est permis. Donc, et c'est-à-dire l'état de mon cher garde pays à sale, mais le parent n'est compte, c'est une petite participation par là qui peut aider à changer. Donc, nous avons un problème. Quoi. Sur ce statistique-là, où se prend un élément-là, c'est podium qui est érigé dans Rue Saint-Honoré, directement, Rue Saint-Honoré, oui, c'est ça. Directement après Rex. Mais il y a plus de monde qui critiquait ça parce que, en termes de sécurité, il était présenté un problème. Le par exemple, Charles Fin Viré Borex Théâtre, qui a descendu dans Rue Saint-Honoré, il vient vraiment créer une situation très restreinte, côté full mounio. Compact ça. Qui accompagne Charles, et puis là, il vient faire une presse, et à tel point, l'heure que Woody Woodboy a passé, soit dans le dernier jour, il y a un incident qui arrive dans la zone. Je suis bien content de nous parler d'incident, ça, bon, le vent pour que moi dis. Objectif nous atteindre dans l'aspect ça pour faire sécurité. Pour faire sécurité, c'était une sous-commission que moi-même j'ai travaillé là-dedans. Tout. Certainement, il y a pile de choses que nous avons souhaité changer, que nous n'avons pas de possibilité de changer. Et nous n'avons pas de possibilité de changer parce qu'effectivement, l'argent est venu trop tard. Parce qu'effectivement, pas de quoi là. Parce que il y a un peu de choses que nous avons souhaité changer dans le carnaval. Quel est l'argent de qui c'est? Très tard. Très tard. Et moins. Un jour ou deux jours à l'avance? Moins apprendre l'État à service, m'apprendre la société à service, je ne suis pas pour me diviser ni accuser personne. Seulement, je dis que moi-même, je suis dans l'argent. Je ne vais pas manger l'argent, je ne vais pas aucun rapport à l'argent, je ne vais pas faire contrat à personne, je ne vais pas dire à personne, je ne vais pas faire personne de travail. So, je suis mal à l'aise pour me parler de n'importe qui bagaille. Pendant, je prends toute responsabilité avec tous les collègues. Parce que son travail vraiment de titan, son job qui est ingrat, qu'on va prendre service. Et c'est service. Pas de salaire, pas de paye. C'est service à la société pour l'honneur. Pour l'honneur. Donc,
peut-être après 2 ans, mais 3 ans, il y a remercier le comité ça. Donc, vous pensez que le fait que la gente de c'est anti-casta, je dis là, c'était un handicap qui était payé. Ma prends un exemple ensemble. Par exemple, dans le char allégorique, moi-même personnellement, j'ai suggéré pour que vous ne pas utiliser génératrice et gasoline. Génératrice, nous t'as souhaité que vous utilisez une génératrice diesel. Parce que il y a un paquet de toile qui fait des courses avec des paillettes, de paille, etc. sous char allégorique. Et puis, il y a toujours une tendance à fourrer générateur ça en d'un char. Avec gasoline, il est plus facile pour arriver à du feu. Donc, avec gasoline, avec diesel, ou ka sentir plus sécuritaire. Mais si vous n'avez pas l'argent pour bailler opérateur, pour bailler constructeur de char, là, comment architecte, là, comment ou a fait imposer ça? Ça, c'est une. Deuxième bagaille qui gagne, nous te tiens à ce qu'on extincte sous chaque stand et sous chaque char. Et les rivières respectées sous chaque stand, les rivières respectées sous un pile char. Mais une boîte à musique qui fait 45 pieds, qui a une quantité de monde, un seul extincteur, pas d'ab suffit. Donc, il y a une autre bagaille qui gagne, c'est de carnavalier ou bien de monde qui est proche de jazz, qui décide qui chita sous tête d'un camion. Tout le monde chita sous un camion et presque 6-7 monde, ils barré, m'dakadi, et visibilité chauffeur. Il y a deux aspects là-dedans. Généralement, il faut que ou t'as fait ça de manière subtile pour t'apprendre une licence chauffeur ça, mais est-ce que le chauffeur est responsable? Non. C'est la police qui vous t'a fait. Jazz la gagné environ 5, 6 000, 10 000 monde, 15 000 monde, 20 000 monde, 50 000 monde devant qui se fanatique. Qui prêt, parce que nous avons une société qui prête à manifester, qui prêt à des revendications pour que vous mélangez tout le bagage qui est full monde, un agitateur qui décide pour créer panique, pour créer trouble. Donc, leur arrivée dans ça, pour faire surtout carnaval année, ça, son carnaval qui fait sur fond de crise politique. Côté politique là, tu es vraiment, vraiment, vraiment ancré dans le carnaval là. Tout bagage dans le carnaval, ça, c'est politique. On a dit malentendu ou bien malaise entre la municipalité et la présidence, et polémique entre Jazz et Sweet Mickey et certains membres de la presse et Bordes Passy qui te font un nombre de temps qu'elle n'a pas passé pendant le gouvernement président Martelly et que président Martelly, je dis à pas président, son ancien président et que Don Kato son sénateur et que yo tout dans le carnaval et sous un aspect et controverse qui te gagne Woody Woodboy et que le secteur privé voulait faire sortir. Comité pas choisi. Comité t'es choisi. Les non-listes de 27 jazz. Mais le comité a gagné 186 millions de gourdes pour que l'IFE carnaval pour supporter toute municipalité qui a fait carnaval, dont le ministère de la Culture choisi pour accompagner. Et c'est là-dedans pour le payer dette antérieure, plus pour le payer jazz. On jazz sorti son char, on dit ah, jazz a sorti son char. Mais pour mettre équipement sous char là, pour louer équipement, c'est environ 30 000 dollars US. 30 000 dollars US, gardez combien de millions de gouttes de l'bay. Ou besoin de payer jazz. Suivant, niveau jazz va varier entre 35, 30 et 25 000 dollars et 20 000 dollars américains. Gardez combien de millions de gouttes de l'bay. Faut que vous payez tête camion pour jazz. Il faut payer et génératrice pour louer. Il faut jouer un provider ça. Il faut payer pour que yo entretenu char. Il faut que char arrive. Il faut jouer une logistique pour lui. Et là, il faut tout ça. Il faut mettre gaz chaque jour, ni dans tête camion, ni dans la génératrice. Il faut fouler.
Jazz a viré demain matin. Ou pas mettre gaz là, machine n'a prend pas de gaz après 5 mètres. Mande au côté gaz là passé, si c'est évaporé, l'évaporé, l'évaporé. Non, système qui a un problème. Et ça, grand public n'a pas besoin qu'on ait. Il a besoin de venir garder un show. Et le plus souvent, il n'a pas même venir garder un show. Il n'est pas même intéressé trop dans le show artistique là. Il est intéressé pour le voir qui jazz, qui peut le battre, qui jazz. Donc, lorsqu'il vient dans cette situation ça, et puis sans compter de jazz, et t'as coup masque en bagasse à Delva, qui prend un carnaval au sérieux, ça, c'est comme si, ou bon jazz, ou bien barricade, c'est jazz. Magistrat Youri Chevry, maire de Port-au-Prince, chef ville, jazz, chéril jazz, keul. Impossible. Jazz, sénateur Hervé Foucan. Jazz, keul. Bordes Bassi, jazz, sénateur, cher ami. Jazz, keul. Sweet Mickey, jazz, président Joseph Michel Martelly. Jazz, keul. Qu'on y a en Algade pour nous. Le critère de jazz. Choix de jazz. En brin, EIA. C'est jazz collectivité territoriale, yo. Jazz chef. Zikos, jazz chef. Et. So, ou bien pour gérer tout le monde, ou bien pour travailler avec tout le monde. Donc, choix ça, et gain de jazz. Est-ce que vous dit pas là, Fred Dizier, choix yo, au niveau de groupe musical, c'est d'abord politique? Tout exemple, probablement. Non. Tout exemple, non. Moi, l'on met quelques jazz. Mais gain de jazz que écoute gain de jazz c'est sous mérite yo okay. C'est sous mérite yo là sous ça ou te fait sous passé yo même si yo gen pile la conscience politique tout parce que carnaval là faut que nous pas bay tête nous menti faut que nous garder tête nous dans glace ou même qui c'est journaliste demain si Dieu veut ou a gain contrôle ou a chef ou pas quitter foule ça pour ces monde qui canaliser pour le faire des ordres. So carnaval là et m'te parler ensemble avec mon ami qui c'est vraiment gentil papiré. Monsieur sont les gigain 69 ans 70 ans. Monsieur dit depuis le petit monde depuis au diabolo carnaval pas jamais l'autre bagaille de politique. Les gars aspect culturel là là-dedans. Mais au fond dans carnaval là c'est politique. Depuis son beau sac en bon. Depuis son beaucoup man expérience. Depuis sous cloche la ou la caille, depuis sous Wilkie Fortuna, depuis sous Campèche. Les Campèche te fait, et ou bien Ram te fait, papa bon Dieu, on seul petit garçon, on a fait le qui te paye à l'aller. C'est politique. Boukman, qui n'aime pas sauter, c'est politique. Politique pour qui? Nous ne connaissons pas, peut-être pour le pays. Ya. Donc, carnaval a un aspect revendicatif là la donne. Et il y a des gens qui viennent, il y a un aspect polémique là, et il y a un aspect festif là. Donc, tout jazz qui vient, l'opéra de Jaco Tiva, il n'y a aucun bon polémique. Mais je dis, peut-être polémique là, il ne vient pas marcher. Je dis, il vient qu'on focus sur l'autre bagaille. Focus là, c'est même avec le King Bassi Devine. King Bassi Devine, mettons, on tire l'ordre dans la polémique entre Tiva et Sweet Mickey, ou bien entre Sweet Mickey, musique, etc. Donc, on souffle nouveau. Mais polémique a toujours été dans le carnaval. Performance groupe Yohane, ça, comment vous trouvez-vous? Il y a un peu de groupe qui a de bonnes performances. Mais ou pas qu'à jouer comme ça, parce que plus fort groupe ne pas passer 3 jours. Et il y a des groupes qui passent le premier jour. Là. Par exemple, l'on fait line-up là, premier jour, là, et Soutmi qui était passé en premier. Et puis. Tiva était dans le peloton de tête. Yo. Et puis, il y a des groupes qui n'ont pas arrivé à passer. Le lendemain, tout groupe qui était passé, vous voyez derrière, et vous prenez de l'autre groupe, vous mettez devant. C'est ça que Djakout est passé très tôt. Le deuxième jour. Le deuxième jour. Et troisième jour, il y a des groupes qui étaient décidé à positionner tête. Yo. Et il y a des groupes. Dans la line-up, là, si la line-up là, t'es respecté, si le groupe t'es décidé, t'es dit, y'a collaboré, si t'es gain conscience pour t'es dit, tête, n'est guidé sur l'autre chat, c'est frère musicien pareil, moi. Et t'as coup, si musique, y'a aimé chanter, là, y'a besoin de faire solidarité. Musicien, son seul compte famille, quelque sa nationalité, mais puis, quand on descend, c'est là,
Et puis, c'est chacun pour tous, chacun pour soi. Et comment chacun pour soi, c'est ça. Dieu pour tous, c'est ça. Dieu pour tout chacun. Donc, et si vous avez utilisé la première partie qui dit 1500 sur le code de famille, tout le jazz a défilé. Est-ce que vous pensez que pour le carnaval là, il y a Diaz, j'ai peut-être deux médias qui font les, qui pensent qu'il n'est pas nécessaire pour être là? En termes de Non, performance, moi-même, nous l'homme. avons gardé que espace là pour 20 pays, il y a de ça qui produit leur que image là aller à l'étranger. L'opposé, mon guin média, question. Moi-même, comme mon guin média, je n'ai pas de réponse pour vous. Mais comme membre du comité carnaval, je n'ai pas de réponse pour lui. Parce que moi, j'estime que COBLA, c'est comme taxe payée. C'est l'argent payé. Certes, ou pas qu'à vous l'enlève ou la gueule. Mais il y a des jazz qui tellement pas réglé pendant toute l'année, c'est comme si c'était une sorte de subvention que l'État a fait à Négio. Et pour ça qui a été fait déjà. Et de temps en temps, il comprend. Et moi, je pense que des fois, tout c'est justice parce que, ou pas qu'à être là depuis, tout légende, ça veut dire que c'est notre petit royaume et tout. Mais jazz, ça y a un pour devoir pour que yo dépasse yo pour que le ou son jeune attaquant ou puissant ou les Messi ou les Ronaldo et ou qu'a joué sous vitesse ou. Mais là comment c'est vieux faut que joue sous tactique et positionnement donc Jazz a été fait en sorte yo vient avec de nouvelles méthodes yo connaît a plat yo bail de performance. Ils ont dépensé une bonne partie de la nationalisation. Même si passage, yo, pata, un passage, waouh, mais pour t'as dit qu'ils ont un mérite. Yo. Et le cas de Boukman, même le Boukman pas crasé champ de masse, mais on pas qu'à dire Boukman est déçu ou bien Boukman décevant. Okay. Et en regardant une petite analyse, Fred Lizer, tant carnaval là lui-même, il allait entre 11 h à 12 h de temps, puisque le préval commence à 3 h de l'après-midi pendant 2 premiers jours pour le final 2 h du matin. Et dernier jour, c'était 3 h de l'après-midi pour 3 h du matin. Donc, entre 11 h et 12 h de temps. Lorsque que pendant 11 h de temps, 3 000 acteurs dans le défilé, 12, environ une dizaine de chants allégoriques, environ une dizaine, une vingtaine de bandes à pied et une vingtaine de groupe musical pendant 11 heures de temps pour capable de défiler. Mathématiquement, le bâton est impossible. Mais nous connaissons l'impossible. Nous te disons l'impossible. Moi, te dis la radio. Pendant, on a parlé de quantité de groupes qui mathématiquement impossible, mais c'est pour nous regarder et aspect ça dans la racine. Tu as gagné la mairie, m'a parlé de maire Chevry, tu as entendu avec le président de la République. Parce que c'est eux qui est autorité politique qui a fait carnaval. Nous autres du comité, nous avons aidé l'État à faire carnaval. Nous pas fait carnaval pour nous. Nous n'avons pas l'argent pour nous mettre jazz dehors. Nous n'avons pas pour nous sponsoriser le jazz. Et son bagage qui hautement politique carnaval. Hautement politique. Est-ce que vous pensez, un membre du comité carnaval là, carré les ministres finances pour dire débloquer comme? Jamais. Est-ce que vous pensez, un membre du comité carnaval là, qui dit ministre tourisme, faut qu'on fasse stand et ou bien faut qu'on fasse char allégorique. Donc c'est moun qui sous tête yo. C'est premier ministre qui a comment qui a mandé CSPN pour venir et pour venir discuter avec nous. Nous pas carré là pour nous mander chef la police pour nous convoquer chef de la police. Donc son bagarre hautement politique. Mais même gens tout politique a une influence de tout sous carnaval là. Qui normal et tout le monde autant de capdou non cher et bagaille c'est parce que vous faites politique mettez-le dans la même place politique yo, pour voir qui ça l'a fait qu'on lit hein? Mais nous te dit li mathématiquement impossible pour le défiler maire Chevry avec la présidence avec le président de la République t'es Antonio il dit vous voulez faire un carnaval à 12 chars dans 12 chars là donc on a 8 gros. Est-ce que je me dis 8 goûts? 8 pagabalas, 2 racines, 2 rap, 4 compas.
Yon ba 8. On a appris 4. Peut-être deux anciens. Quatre quoi, pas ça, c'est Jaco, Tivaïs. Créole là, c'est Mickey. Ok. Et pour Rapla, c'est Baye Katko et Wokfam. Et puis Racine, c'est Ramé Boukman. Ramé Boukman. Okay. Donc, l'offre dit 8, et puis qu'on a cherché 4 pour mettre là-dedans. Entre temps, Maïsra va devoir s'en demander pour Yaya. Et. Après, magistrat Bodo Vincent et mandé pour dire Wood Boy. Li mandé pour chalet. Et barricade déjà c'est jazz li tout, mais barricade déjà là so. Entre temps, qui sont pensé à faire reste yo. Nan esprit de collaboration avec Mère là. Nous gain satisfaction pour Bali. Lovin prend Ben ça yo. Il y a l'autre force en présence. Et puis, il dit, il n'y a pas ajouté deux chars. Nous passons au nombre de 14. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas mieux que nous ajouter sur l'air? Non, attends-moi. Attends-moi. Je réponds devant la télévision, devant la nation. Je ne vais pas dire mon bail. Il y a un série de jazz qui est impossible. Soit une des deux, c'est oui. Jazz sénateur Foucault, non? Oui. C'est du costaud. C'est du chef. Eh oui. Donc, impossible. Nous avons Maestro, nous avons Casino, nous avons Kai, nous avons Kai Mikaben, nous avons Vibe Maestro. Et puis, nous avons Rêve. Et puis, tout Jazzaro, ils voulaient participer. Et tout Jazzaro baptisé. Entre temps, ils viennent avec une formule pour que vous fassiez 6 jazz défilés. Puisque son participation que vous voulez faire, donc il a mis chaque jazz à vous, chaque jazz à vous, opportunité pour vous passer un grand jour. Mais vous pouvez réaliser qu'il y a de cohabitation pas possible. Kai et Vibe, le fait que Vibe vienne faire une alliance avec Maestro, c'est comme s'il vienne en polémique, Kai et Vibe. Ou vienne pas qu'à mettre pour cohabiter sur le même char, même si ce n'est pas le même jour. Deuxième bagaille qui gagne, son jazz rate en performance non jour, les cas réparés dans le deuxième jour ou bien dans le troisième jour, là, les techniquement pas possible. Pas de cob. C'est parce que nous avons 186 millions de gouttes. L'année avant, c'était 240 millions de gouttes. Année ça, président dit, l'argent pays, c'est tracteur pour l'acheter, c'est pas carnaval pour le faire. Est-ce qu'on comprend la difficulté, ça? Est-ce qu'on peut parler dans la radio? Et nous gérer ça. Et puis, c'est le ça, nous venons décider de faire coup de fil, relayer sponsor à la dernière minute. Et puis, nous, sponsor a dit la baille 2 millions de gouttes. Sponsor a dit les cabayes 500 000 gouttes. Ça a dit les cabayes 1000 dollars. Et puis l'État, responsable finance, fait chèque là à l'autre du comité du carnaval national. Et puis pour prendre crédit dans main de compagnie de son pour qu'on mette jazz à l'odeur. Mais c'est à la dernière minute. À la dernière minute. Il y a pile compagnie son qui pas de gain dans. Il y a de gros compagnies son qui connaît que la pla, mais l'autre petit qui pral collecter équipement yo, équipement qui est en Okaï, équipement qui est en Okap. Donc toute difficulté ça public là pas connait. Mais Dieu soit loué, nous font bel carnaval qui satisfait nous à 60% parce que il y a un champion la donne. Tout le monde était content de Woody Woodboy, il était content de Sweet Mickey, il était content de Wokfam, il était content de Barricade Kou, il était content de Bookman Experience. Au fait, il a presque tout jazz. Comment juge la performance de Woody Woodboy dans le carnaval? Très bon. Et ça rappelle le King Bass qui est venu. Et rapport des amis que j'ai avec Woody Woodboy, ils sont rapport très, très, très close. Et ou dit, ou après réaliser que ou dit a passé Chan Bas là, et la dit Fred Lizer King Bassi. Donc c'est son monde qui close avec quoi.
Tous les 20 groupes ça yo comité en bas tout l'argent. Oui, yo tout gain cop dans mes déjà tout. OK, que comité en bas yo. Mais pas proportionnellement égal. Non, pas l'évalue en fonction de comment? L'évalue en fonction de taille groupe là, en fonction de dimension, en fonction de quantité de cob que sponsor bail pour groupe ça. OK. Comité très critiqué fait désert, grand peu de monde dit c'est plus mauvais carnaval etc. Ou même comme membre comité ou évaluer tête tout qui ça va dire. Et pas dit c'est plus mauvais carnaval. Parce que moi-même, moi, ouais, non, ça se m'accro. Mais si mon yo regardé uniquement sous défilé, nous avons dit que c'est mauvais carnaval. Et nous assumons. Nous assumons, mais au fait, et moi-même, j'ai une satisfaction sur certains points. Et j'ai une satisfaction numéro un, que je t'ai dit ici, à la, dans un débat, dans la salle, ça, avec Schneider. C'est ça, Schneider? Schneider. Hein. Et nous mettons pas cette plat, nous te dit objectif premier nous sont carnaval zéro mort. Objectif atteint. Yes. En termes de sécurité. En termes de sécurité. Nous te dit nous voulons faire un carnaval en termes d'artistique pour que nous ouais banyo. Nous arrivons à ériger la plateforme, nan, la Mayotte là qui fait mounio en collaboration avec la mairie de Port-au-Prince, nous faisons et que mounio ouais ban déguisé. Nous t'ai dit que nous avons fait un carnaval qui a fait certes sur fond politique, mais nous avons privé protéger le carnaval pour que la politique arrive sous yo et directement nous avons pris toute frappe. Yo. Nous arrivé faire. Nous t'ai dit que nous avons fait un carnaval pour que nous proposions de bagailles. Parmi ça, nous proposer bravo pour l'équipe artistique là, nous proposer exposition en bilan qui fait sous clôture palais national là. Côté yo rend un hommage bien mérité à des artistes et qui c'est acteurs dans carnaval là qui allaient prendre devant nous donc Kessy, Don Chauve, Black Alex, Maestro Ulrich Pierre Louis et mais rend hommage tout à de monde qui pas acteur carnaval là tout dont Boulou Valcou, Mano Chalmain qui était dans le carnaval 7, Maestro Isaël Saï, etc. Il y a des gens qui étaient contents de parler de Mounzao, de Mou Jean-Baptiste, Robert Sikou, Tiro, Ti Paris, Semret de Bradine, etc. C'est des gens qu'on connaît ou de nom, mais on pas de gens qui photo yo. Non, et ben, nous faisons un embryon de musée, si vous permettez mon expression, nous avons un musée en miniature. Au niveau du Bureau national de technologie, côté yo exposé et costume carnaval yo exposé bagay qui est dans la tradition, nous. Exposition ça va continuer. Nous faisons carnaval, côté tout hôtel full, atmosphère là, ça qui crée, ça nous arrive vendant. Peut-être nous communiquer peu, mais nous te communiquer peu. À volonté, parce que nous ne voulons pas que frustration arrive sur le carnavalier. Fred Lizer, comme entrepreneur qui généralement a des contrats dans la période carnaval, et Fred Lizer, comme membre du comité carnaval, qui position ta pi préférée? Dehors ou en dans la structure? Je préfère dehors. Moi-même, j'étais bien content dedans parce que je fais 2 ans moins utile pays, parce que faut que je dise ça. Moins d'expérience dans un grand événement. Je ne vais pas prendre tout éloge parce que je rends moins hommage public. Et je n'ai pas besoin de prendre pour moi. Ça veut dire que si on faille, nous solidaires avec tout le comité. Et si il y a une démission, on a démissionné en bloc. Tout. Et mais ça me le dire. Et entrepreneur, je tape louer tête camion, je tape fait char allégorique, je tape fait stand, je tape. Moi, tu as loué l'autre bagaille qui pour ta femme fait l'argent. As membre du comité, moi, pas rentré dans rien dans ça pour éviter conflit d'intérêt. Et c'est pour ça que moi, je t'ai préféré dehors, fois ça. Nous allons deux petites questions rapidement pour nous capables de terminer. Carnaval a-t-il de finir à quelle heure de jour? Et il t'a supposé. Il finit à 14 du matin. Après 4 heures, il y a beaucoup qui continuent. Quelle responsabilité comité dans ça? Qui côté de continuer? Chant masse ou bien qui bon? Non, il faut répondre. Ok, responsabilité comité, tu es au niveau de R du chant masse. Non, moi, je me pose une question. Qui côté
Guéchard, il dit qu'il était continué dans la rue Port-au-Prince. Dans la rue Port-au-Prince. Oh, dans la rue Port-au-Prince, mais tu as un machin qui a boulé dans la rue Port-au-Prince. Tout. Et vous pensez que le comité a un contrôle ça? Non, c'est pas vrai. Tout ça qui fait en dehors de air carnaval là, il n'est pas sous responsabilité du comité. Dernière question, Fred Lizer, perspective, qui ça qui t'a fait? Ça qui t'a fait, c'est on chita ensemble, discuter, nous avons failli. Nous supposons rendre compte gagner une explosion démographique en termes de surpopulation dans Port-au-Prince. L'espace carnaval a besoin agrandi. Donc, Hachin Maslal et Otijan Tapiti. Nous pas qu'à faire prolifération de chars aussi, parce que la quantité de jazz que nous apprenons. Et une remarque qui est positive, pour qu'il y ait une raison, tout le monde a eu dans le carnaval là. Parce que nous avons une atmosphère de paix. Nous sommes dans la fête fin d'année. Nous sommes dans le mois de novembre. Nous tombons directement dans le mois de décembre. Et automatiquement, si janvier finit de passer, nous rentrons dans la période de commémoration de 12 janvier. Et puis tout de suite après, nous tombons dans le pré-carnavalesque. Diaspora, pas tant de kidnapping, arrivé sur l'île, pas tant de brigandage, pas tant de craser vite machine, les pas tant de manifestations violentes, les pas tant de problèmes politiques. Et puis diaspora rentre en grand nombre. Là, il y a 5 000 diaspora rentrer, 10 000 diaspora rentrer, ou il y a un cop dans le pocho. Pays à l'autre gens. Un pays à l'autre non, dans la sérénité, sans pour autant pas obligé dans tel parti, ou qui a toujours défendu tout. Ou qu'a toujours défendre l'intérêt, ou qu'a toujours défendre le pays, mais on remet le pays d'abord, pour que vous pas dit, nous, c'est ça, monsieur Tchonk te dit. Nous prenons pour que vous ayez un comité permanent? Même si mon comité permanent, si le comité n'a pas de moyens, c'est comme s'il n'a pas gagné. Parce que vous avez un office protecteur du citoyen, est-ce que le rivier fait travailler? C'était Fred Lizer, responsable animation musicale au niveau du comité Carnaval 2018 qui fête dans Port-au-Prince 11, 12 et 13 février en baptême Haïti sous changement. C'est avec Fred Lizer, nous avons abordé bilan, fait bilan, perspective pour Carnaval 2018. Là. Merci Fred Lizer, c'est un plaisir de recevoir Mathéa. Merci, merci Ruby. D'accord, à la prochaine, amis.